Pas les masques, les amis. Nous sommes avec Mireille Dumas, surtout de ne le répéter à personne. Elle est là, en chair et en os. C'est une de nos invitées vedettes du Salon de Saint-Estève. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver, Mireille. Et moi, d'être dans cette région, même sous la pluie. Vous vous êtes promenée un petit peu ce week-end. C'est compliqué, hein, on a eu un emploi du temps chargé. Mais hier, on a planté, chacun a planté son cep de vigne. Vous faites partie. Vous savez, je suis venue déjà dans la région. J'avais fait à l'époque de la vie à l'endroit, beaucoup de reportages dans la région justement et dans les grands domaines et sur le vin. Je disais, vous faites partie de ces animatrices qui nous permettaient de découvrir des personnalités. Et l'une de vos premières émissions, c'est 1992. Mais vous avez commencé la télé bien avant, puisque vous allez fêter très bientôt vos 40 ans de télévision. Ouais. C'est incroyable. Ça ne me rajeunit pas. Mais c'est vrai, 40 ans, plus de 20 ans d'antenne. Et puis 20 ans de documentaire tout autant, avant et maintenant. Depuis 10 ans, je suis comme vous derrière la caméra. Je filme les autres interviews, puisque c'est quand même mon métier, ma passion. Voilà, et je continue à faire des documentaires. Et je fête ces 40 ans dans un mois et demi, en novembre, sur France Télévisions. Présentez-nous votre ouvrage, parce que vous écrivez aussi, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. On a oublié de le dire, vous êtes la marraine de ce festival. Oui, bah ça me fait vraiment, vraiment plaisir, surtout que le vin est très, très bon. Vous n'en avez pas abusé au moins, Mireille. Non, je suis très sage, j'ai goûté. Mais j'ai goûté avec parcimonie. Exactement. Présentez-nous votre bouquin. Alors, c'est un livre qui a déjà quelques années, mais que j'avais fait justement à la suite d'un documentaire. Et je m'étais amusée à raconter la France à travers ses chansons. Donc, évidemment, il y a la Nouvelle-Aquitaine, il y a toutes les régions et les personnes. C'était à travers les chanteurs, les personnalités, surtout les chanteurs qui avaient chanté cette région. Donc, Serge Lama et ceux qui sont originaires, évidemment, de la région. Serge Lama, on sait, hein, son père était d'ailleurs chanteur d'opérette à Bordeaux. Pascal Obispo. Luis Mariano. Luis Mariano, le basque Luis Mariano, Frérot de la Vega pour les plus jeunes. Enfin, voilà, ils sont Marcel Amon. Alors, vous les faites découvrir au travers des chansons, c'est cela. Il y a une chanson. Surtout, l'idée, c'était de... Oui, bien sûr, les faire découvrir et faire découvrir en même temps, parler de la région et des chansons qui racontent la région parfois. Vous êtes toujours passionnée, Mireille ? Oui, toujours, toujours autant. Vous savez, la curiosité, c'est ce qui tient quelqu'un debout. Si vous n'êtes plus curieux, c'est la mort, franchement. Si vous n'aviez qu'un seul mot pour résumer l'impression que vous donne ce... C'est vieillir si on n'est plus curieux. Pardon, plus que la mort d'ailleurs. C'est vieillir, pardon. Non, pas de problème. Mais si vous n'aviez qu'un seul mot pour résumer ce salon de Saint-Estève, là, votre intime conviction malgré le mauvais temps d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez ? Malgré le mauvais temps d'aujourd'hui, non mais il fait très beau dehors, c'était une plaisanterie. Je dirais franchement l'amitié, la convivialité et l'exigence. C'est vie privée ou vie publique aujourd'hui ? Ou c'est les deux ? Non, c'est surtout vie publique, mais c'est un peu de vie privée parce qu'ici on est un peu comme en famille. Franchement, c'est extraordinaire le travail que fait Martine, Michel, si j'ai bien compris. Enfin, toute la mairie organise ça de façon magistrale. Merci beaucoup Mireille Dumas, c'était un bonheur absolu que de vous avoir avec nous sur Aquitélé. Merci à vous, merci. Merci, salut les amis, on continue de se promener.